Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci Kovin. On tichit à parler avec Kaolan. Je dis à nous, on tichit à parler vraiment spécial. On va commencer, je voulais vraiment dire nous merci que nous toujours prenons temps ça pour nous écouter, nous encourager, nous dire que nous voulons continuer. Donc ça encourage pour continuer faire un tichit à parler avec Kaolan. Je dis à m'pas connaître si nous gagnons ouais, nous gagnons en reine. Sous un plateau, on t'a parlé avec Kaolan. On connaît que nous tous, nous connaissons que nous connaissons Emily Michel. Bonjour Emily. Un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup Kovin de parler avec nous aujourd'hui, de parler avec le public moyen. Okay? C'est un honneur pour moi parce que vous êtes une idole pour moi. L'homme est petit. Pas trop petit. Parce que je vais prendre le tienne. Oui, 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 mais vraiment, danser sur Akaikao, moi, wow. L'amour c'est flamme, Amandine. Son honneur, oh honneur. Il n'y a pas de bon bâton? Non, non, il n'y a pas de bon bâton. Non, okay. Non, parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses osées dans tes musiques. Oui, mais je connais que des gens qui prennent bâton pour flamme, ils viennent me poter. Je vais faire un reportage là. Bon, pas rappeler de que tu es bon bâton pour flamme. Je n'ai pas trouvé que c'était une musique osée, vraiment. Bon, je te dis merci à tes parents alors. Oui. Et puis ma favorite était l'amour. L'amour, c'est flamme. Non, c'est pas l'amour. Pas de silence. Pas de silence. Oh mon Dieu, parce que c'était vraiment révolutionnaire. Là, tu as fait le vidéo. Merci. Ok, avec les bougies. C'est la sortie de l'ordinaire. C'est une prière, je veux dire, une prière d'amour, vraiment, pour l'amour qui est comme suprême, qui guide tout, qui est au centre de tout. Donc, je suis vraiment pour les bougies. C'était une idée de Jean-Pierre Grasset. Et puis, on est parti avec. Ah non, content. Oh, oui, parce que moi, j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Oui. Donc, j'ai vraiment apprécié cette merci. Vidéo. Merci. Mais, ça c'était il y a beaucoup de temps de ça. Oui, maintenant, on a un renouveau. Parce que c'est ça, tu sais, on dit que tout ce qui ne grandit pas meurt. Absolument. Donc, tu grandis, you evolving. Et c'est comme ça que tu vas avoir ton nouveau album. Oui, mes amis. Regardez. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Parle-nous un petit peu du nouveau album. Comment te dire? C'est vraiment une... Je peux dire que c'est une marche spirituelle qui est genre sur l'album, c'est tous les segments de ces moments forts-là, de cette marche-là. Puisque moi, j'ai grandi pratiquement à l'église, puisque mes parents sont profondément croyants. Et au départ, je les regardais de loin. Et je n'osais pas, comme si je ne comprendre pour quelle raison. Chaque dimanche matin, je traînais dans les oreilles. Je suis obligée d'assister tout le service. Jusqu'à ce qu'au moment, je regarde maman qui a prié et je vois des miracles s'opérer dans sa vie avec la foi. Avec sa foi, quoi. Ou qu'on est au dos, la foi va soulever les montagnes. Ou même, on dit tout, c'est très beau. Jusqu'à ce que tu puisses toi-même faire cette expérience-là. Et entre faire plaisir à ses parents pour à l'église ou parce qu'ils obligent à l'église, et puis leur même ou retrouve nos positions, qu'on sentit que pour moi-même, c'est l'ancrage même. Quand tu n'as pas une vie spirituelle, tu ne peux pas résister aux tempêtes, aux intempéries dans ta vie qui permettent qu'on sentit qu'au départ, tu vas à l'intérieur. Au lieu d'aller relayer tout le monde aux secours, tu vas vers l'intérieur. Donc, c'est cet album. Ce projet-là, pour moi, sur chaque album, j'ai toujours une prière comme Père l'Éternel, comme Chané, ce sont des chansons qui sont très connues, comme Bam la joie. Sur cet album-là, j'ai regroupé toutes mes prières. Ah, ok. Elles sont de nouvelles prières, mais vraiment pour eux. Nous vivons un moment qui est très complexe et très noir, qui est très pesant. Oui, on a besoin de prières. Ça a toujours fait peur aux autres. Par exemple, quand je voulais faire mon album qui est Accord et âme, où il y a une chanson Troubadour, j'ai voulu, à partir en sortant d'un album qui était très dansant comme Bam Passé, j'ai voulu faire un album qui parle, qui touche le terroir, qui, comme si qui salmodie ce que nous possédons en tant qu'Haïtiens. Et j'ai fait forme à Léo, dit, oh, petit, tout saute dans son pas tomber on va tomber dans Troubadour. Je me dis, mais Troubadour a appartenu à moi-même. Son l'autre étage.
Et devine quoi, l'album a eu meilleur album de l'an 2000 avec Haïti en folie. L'album a été récompensé sur les scènes. C'est un super album. Cet album-là, c'est même bagarre. Tout le monde dit ou on fait mais des potes sont dit on dit regardez, tu sais quand t'as comment on dit dans la douce le rond boussole intérieur ou les en place li, et que yes. Tu te sens connecté, soit recevoir, soit le fond bagarre qui est différent. Mm-hmm. C'est à ce moment-là que tu peux te casser la gueule. Pour, du moment que tu respectes là où tu es, pour moi-même, qu'elle va sauter. Bon, moi-même, ce que je dis, il y a deux sortes d'artistes. Il y a des artistes qui savent chanter. Mais il y a des autres artistes, c'est comme si tu as dit, tu prends un an et puis tu incarnes dans ton monde. Parce que je retrouve, bon, d'abord, dit, je retrouve toi-même, Mika, mais je peux dire, je retrouve Mika en toi parce que tu es petit. Tu es venu avant, ok? Tu es venu avant. Mais c'est ça, c'est le, je trouve que c'est le vrai or. Parce que or, là, on pas qu'à mettre un seul bagaille. C'est quand on les prend et forme vase que tu mettais là, ils évolvent, les bagailles qui malléables, qui transformables, ouais, tu vois? Ouais, tu peux pas rester raide. Exactement. En disant que on pas bouger ça, regardez, besoin de mettre un assiette manger là. Je bouge ça et je mets là. Oui. Parce que faut rester dans le flow. Mm-hmm. Je lisais ce livre-là de la fille de Bruce Lee qui disait que la sagesse, c'est comme vraiment prendre la forme, c'est comme l'eau qui prend la forme de tous les rochers que de l'eau a contourné. C'est ça, sagesse. Hein. C'est pas comme si l'eau a été butée. Elle veut dire, bon, bah, fou. Oui. Donc, moi-même, c'est pareil pour moi. Bah, c'est sur comparaison tellement juste puisque je me suis toujours. Mika et moi, on a toujours été connectés, puisque quand j'écoutais ses chansons, c'est un artiste toujours invité sous scène, moi. Comme si depuis ma fin spectacle, on faisait un spectacle à New York qui s'appelait Héritage. Et il était mon premier invité parce que me soutenant, m'a chanté Simte Genzel, ensemble on a chanté. Waouh! Haïti, belle femme, ma chérie. Oh, I love that song. Tu imagines? C'est vraiment, c'est dans une fluidité parce que je reconnais cet artiste-là qui va vers les autres, qui va aussi, mm-hmm. qui amène les gens toujours sur sa scène. Parce qu'il faut rester dans Exactement. Le moment, dans l'élément et être créatif. Oui. Et je trouve que c'est ça vraiment. Merci. L'apogée de l'or. Oui. Donc tu as une apogée. Je t'avais droit. Merci. Donc, je pense que tu as dit que tu vas faire une grande première. Oui, il y a une grande première qui est déjà prévue le 11 novembre. Le Save the Date va sortir bientôt. Et ce qu'il y a, c'est que je me dis que c'est toujours quelque chose de nouveau. Là, toujours bon bagaille, une espèce de émoustillé à l'intérieur, qu'on dit, ok, comment les gens vont accueillir, mais avec la chanson Force que j'ai partagée, où j'ai retrouvé des gens qui ne sont pas croyants, qui m'ont même pensé que mon grand créateur, grand architecte qui a tiré toute ficelle, qui m'a même respecté ça. Là, ouais, Force, et puis ouais, comment me poser sujet à, je n'impose pas à qui que ce soit, mais je dis, si tu vois en moi une transformation, tu vas vouloir faire l'expérience pour toi-même. Exactement. C'est ma façon, est-ce qu'on peut dire d'évangéliser? Moi-même, je pense que à la fin de la journée, quel que soit ce que quelqu'un veut croire, c'est la même. Ça veut dire que si tu chantes une émotion qui est humaine, tout humain absentile. Tu comprends ce que je te dis? Ok, toi-même, c'est Dieu, ta force. But nous toutes, nous besoin force parce que tant la vie a saccagé nous tous. Je n'ai pas besoin de savoir qui est-ce que tu es. Ouais. Donc c'est ça, c'est pour ça que cet album vraiment merveilleux parce que on retrouve la donne quand même parce que tu es humain. Et en tant qu'être humain, nous traversons la les mêmes choses. Que nous soyons le plus riche, le plus pauvre, c'est toujours le même sang. Et même quelle que soit religion, je me suis toujours retrouvée avec des gens qui ont des croyances différentes. Souvent, retrouver sur scène avec des gens qui ont ces voudouisants, ils ont fait ça, ils ont fait partie par eux, ils ont fait partie par nous. Me respecter avec tout. Je dois choisir côté me camper, je choisis pour verbe pas différent, mais je respecte
parce que en même temps, je me dis l'émotion, mon nom depuis là chercher énergie pour bal force, énergie qui pour vraiment, dit qui est substance li. Et pour chaque monde fait pas, mais en même temps, pour moi, surtout venant d'un pays comme Haïti, je trouve que si ce respect-là était installé, nous tapons tellement plus loin. Oui. Et dans tout sens, oui. Ça, c'est vrai. Dans tout sens, et c'est pour ça que moi, dis tête même c'est chaque fois que je brille, je une réponse. Je reçois mes chansons en, dans mon sommeil. Oh, wow. Oui, je reçois. Amazing. Pas toutes les chansons. Et des fois, je recevais en coup de crayon. Je courais pour un téléphone, non? Je dis bien content de technologie. Permettre de faire press et puis me chanter demain matin. Je dois dire, oh, et bien, soit qu'il a. Wow! Je n'ai pas campé soin, mais je n'ai pas de jeune tout. Je dis merci et puis je les utilise et puis je me dis, fais autre. Wow! Ouais. Je suis très excitée pour le 11 novembre. Tu n'as pas encore dit quel city ou ça? Non, parce tu sais que pas que encore. Non, c'est même pas ça. C'est déjà installé. Je n'en parle pas parce que j'aime bien que tout soit en place. Ok, ok. Ouais, mais je sais déjà et lancé. La promotion est en. Nous porte là, là. On va pour nous dire bon, ok. Ok, pour moi, c'est match exclusif. Tu connais, même pas rater bagaille ça. C'est bon devant. C'est bon devant. C'est, ouais, parce que je veux faire des choses qui ont meaningful. Pour moi-même, c'est vraiment qui gagne un poids. Mm-hmm. Qui ont un poids émotionnel, sentimental et spirituel. Dans ma vie, c'est choix pas. Me rendre compte, moi, que, ça, moi, je voulais partager, je voulais un bagage qui est très intime, et je voulais vraiment full band, on a, j'aurais un Kai qui, wow. C'est eux qui, c'est les deux, en fait, ils sont, c'est un string duet, mm-hmm. Il y a le violon et violoncelle, c'est eux-mêmes qui jouent sous force, là, il y a pas de scène, quoi, choriste, bagage, oh, j'adore le violon. Je mets ton violon en bagaille pour l'autre dimension, pour, tu vois. Pour les grands côtés en résonance, on trouve qu'il allait bien avec la musique, ça. Exactement. Oui. Je ne peux pas attendre. Et puis moi, tout doux, ok, que et ma préserve musique qu'on fait et avec le type là, qui va parler de l'amour. Oui, ça c'est la musique de mon mariage, quand je me marie. Tu imagines okay. Cette chanson-là, Avol est extrêmement talentueux et c'est une des chansons où quand on s'est assis, il nous dit « ma fond musique, j'ai besoin pour bon Dieu paraître, c'est pas comme si d'autant de l'eau me disait tout. » À quel est-ce que parler oui. Là? Parce que on reconnaît, on accepte les gens moyens, parce que c'est vrai que on ne sera jamais parfait, quoi. Mais d'être accepté, d'être accueilli, de savoir que bon, on grand maître qui prend nous, qui console les nouveaux. Mais voilà, tu vois, lorsque tu parles de l'être suprême, c'est aussi l'amour suprême. Ah, parce que c'est ce que tu voudrais avoir quelqu'un. Parce que là, le matin des paroles, lui, me dit, oh, mais c'est ça, Marie, t'as doué. Tu comprends? Bon, pas là, bon Dieu, vous me dites. Oui, oui, bon Dieu, puis vous voyez, me fais charmant. Le plus vite que possible, pour Emeline qui a chanté le mariage. Ah, m'a chanté. Regardez, bon, comment c'est passé? Qui est-ce dans la verrade là? Non, avec plaisir. Ouais, c'est vraiment une superbe chanson. J'ai vraiment aimé. En tout cas, quand je t'ai parlé avec Kaolan, nous avons une tradition, où ça comprend une histoire, okay. Et puis nous voyons qui je t'ai affecté la vie. Donc, moi-même, de quoi je voulais parler, dans mon enfant, je me rappelle qu'il y avait ma grande sœur. Mais on avait un mur qui était wow, la caille nous, parce que pour voler pas entrer. Donc, c'est mon chien qui était méchant dans le quartier. Hein? Et puis, bah, on a eu qui était bon à ouvrir, et puis chien courir rentrer dans la cour. Et puis ma sœur était auprès du mur. Ce qu'on a l'air le chien forcé sous lui, il voulait pas que Ken baille le café. Et puis moi-même, j'étais sur la galerie, m'a regardé de loin. Elle a monté le mur. Je ne sais pas comment elle a fait, elle ne sait pas comment elle a fait, mais je peux te dire comme si elle a marché verticalement sur le mur comme Spider-Man. Parce qu'elle avait oui, elle s'est retrouvée en haut parce qu'elle avait vraiment peur. Mais ouais. Ce que ça résonne en moi, c'est que beaucoup de fois dans la vie, combat équilibré, ou est-ce que c'est combat qui vraiment
ou comment mauvais mm-hmm. mais vraiment sur le coup il fait sortir un ballon même mm-hmm. comment t'as jamais qu'à sortir comment même qu'on a t'es gagné en dedans exactement c'est ma question pour toi wow. est-ce que tu as quelque chose comme ça de ta carrière que tu veux partager avec nous vraiment que wow. ou t'es pensé que t'es fait noir net et puis psh, wow. You raise like a phoenix, oui. you know, wow. c'est un vol qu'on prend. Wow. Au contraire, ou plus envie de tourner pour dire, oh merci beaucoup. Ben, c'est parce que tu m'as, wow. C'est vrai, ce sont les, c'est ça, des leçons mm-hmm. qui vraiment forgent. Eh bien, moi-même, c'est une dame qui est plutôt connue, qui a fait un spectacle, qui m'a invité. Et, pour faire, comme je n'aime pas, I don't like to dwell in the negative. Mais l'Elvin invité maintenant, moi retrouvé moi non seulement arrivé bonheur ben on time son et puis moi retrouvé depuis 10h30 du matin. Il pas de bonne chambre pour me déshabiller, me li quitté me sous la côté fête là, il y avait quelqu'un d'autre aussi sur qui participait au spectacle. Et elle a donné une clé parce que c'était un endroit qui avait la possibilité d'accommoder des gens comme un hôtel et puis il y a partie réception et tout. Donc elle a donné la clé à l'autre chanteuse et puis moi je me retrouve sur la cour en train d'attendre. Elle n'a pas voulu trouver. Regarde, elle me dit qui ça? Yo accueilli. C'est pas même accueilli. Ça crée pour pas parler avec un trop petit. Wow. Et depuis avant, je ne pas de senti vibration. On me connaît que j'allais vers quelque chose de négatif. Et puis en plus après le spectacle, elle a refusé de régler les musiciens. Elle wow. Et puis même vivre bagage ça me dit comment ça passé? Tout ça c'est parce que ou permettre, ou mettre tête ou en position où on manque au dégât. Et que quand tu sens quelque chose, tu sais que c'est, on l'a boule, on va mal fagoter le tapralier, il fallait tout simplement dire non. Et, depuis le samedi, comment ça passait? Je parle avec tête moi, au lieu de faire tout un drame, je lui ai jamais rien dit. En premier moment, je prends le computer, je vais l'écrire pour m'expliquer parce que je voudrais que ça reste dans les annales. Et puis après ça me dit non, elle ne mérite pas toute cette attention. La seule chose que je sais, c'est que je ne vais pas retrouver dans la situation ça encore. That's right. Et elle m'a permis de me dire écoute, tu vaux mieux que ça au cas où pas te réaliser ça. Exactement. C'est jour pour mettre femme sur le bout. Exactement. Et puis voilà, je ne vis pas des cauchemars de ce genre depuis. Wow, that's amazing. Voilà. Comme si je me rends compte les changements dont on parle, que nous-mêmes nous voulons être. Il n'est pas du jour au lendemain parce que oui. on a, je ne connais pas si c'est comme si qu'on bagaille que faut, avant que le déclic l'en fait mm-hmm. pour prendre sur soi pour complètement être, voilà embrasser que ok bon là ma fond camper ça pas privé encore ça prend quand même beaucoup de temps beaucoup de sagesse temps, oui, beaucoup ouais. de introspection mm-hmm. Dans mon cas c'est parce que tout le monde m'a fait ressentir bon dans mon passé je ne suis I'm not good enough. I'm not enough. Finalement, c'est ça la grande ligne. I'm not enough. Mm-hmm. Et puis mm-hmm. maintenant, lorsque j'ai fini avec le travail, c'est comme si, même si I'm not good enough, but I'm good enough for me. That's now. It. Yes. Enjoy. You know? Being you. Oh yes. My God. Yes. So, Kaolan yeah. est enough pour Kaolan. That's it. Et des fois, je regarde mes propres vidéos, j'éclate de rire. Donc, je suis à l'aise avec moi-même. Mm-hmm. Mm-hmm. En tout cas, Emeline. C'était un plaisir. Attaché. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux dire au public? Guys, stay tuned. Sûrement, you follow Emeline already, but please do. And yes. then stay tuned pour novembre. Please stay tuned pour novembre. Which is my birthday month. Really? When? 22 novembre. Are you serious? Wow. Yeah. So. Bon. Bon, maintenant, personne ne peut pas dire que vous pas te connaît, vous pas mais les vrais champagne, vrais pleurs, vrais cadeaux. Non, tout ce que je veux dire, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce qu'on partage là. Et we are perfect in all imperfection. That's right.
And that's the first way. Because des fois, un petit détail là peut te faire regarder des bagarres et puis casser, oh, pas qu'à dormir. Parce qu'on dit, oh, on t'a vu de telle manière. Mm-hmm. J'essaie de démystifier, dédramatiser le côté image. Et n'oublie pas avec le social media. Oui, le social media. Tout le monde a un filtre, machin. Je suis contente d'accepter et d'être acceptée comme je suis. Exactement. Merci. Parce que, excuse-moi, d'ajouter quelque chose. À la fin, si nous étions tous les mêmes, ce serait tellement rase. Nous t'embrasse vraiment. Tu comprends? Il y a une différence. Oui. Exactement. Ouais. Donc, on se complète. C'est beau qu'il y a de la diversité. Moi, j'aime la diversité. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup que nous t'es là. C'était vraiment, on tichita pas la kaoula, vraiment spécial. I feel so blessed to be able to voir Emeline lui parler, ok, ce que fanatique pas connaît, l'aime tes petits, t'es dit, ça me dit, oh, je me suis dit, je t'ai fait un bagage avec Emeline, là, ça me bat même connaît qui, ça me tapait dans le futur. Mais c'est pour dire que, soit dit dans tête tout, les bons donc pas parler négativité. Oui. Parler positivité, parce que par contre, qui le que soit désiré vraiment après réaliser. And you know. And we know. We know what's next. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci.